Bon, mesdames et messieurs, je vous explique la situation. On est en train de faire le petit film pour MX Vaseline Tour, tome 2. Je vous présente. Venez. La question qu'on se pose, c'est savoir qui c'est qui va hériter du tube de vaseline ce soir, quoi. Ce matin, on a eu des essais chrono. Le number one, celui qui a pas tout fait pour l'instant, c'est Choupinou, comment là, tu vois. Celui-ci, quoi. Il nous pond le tour en 1,53, ça commence à aller vite, tu vois. C'est celui qui représente le mieux le Team Tous Wild, tu vois. Et bref, ensuite, celui qui a le tube de vaseline, il est là-bas. Tu fais voir ton ustensile, s'il te plaît. Voilà. Voilà, il assaisonne et tout, quoi, tu vois, il s'en sert bien, ça suffit pas pour se le mettre comme il faut. Il a pas compris comment ça marchait, mais c'est pas grave. Et bref, le number 2, c'est lui là-bas, tu vois, il a fait 1,57, je sais pas combien. Popo, c'est elle qui a les chronos. Combien il a fait chez vous? 372. Ça veut dire que pour l'instant, il la met à ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire celui d'après. Jonathan, 1,57,599. C'est-à-dire moi. Voilà, 1,57,599. Jean-Paul, Johan et Olivier. Et Guillaume. Bon, donc ça veut dire que là, pour l'instant, là, au niveau vitesse, il peut le transmettre, tu vois. Il a le potentiel. Il a le potentiel pour le transmettre. Donc voilà, quoi. C'est les pronostics... qui démarre, tu vois, et on verra après les deux courses qu'on a comment ça va se passer. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, on se tient au jus. Oh, j'ai raillé là. Oh, j'ai raillé là. Bon, les amis, bonjour. Bon, on avait laissé le MX Vaseline Tour sur l'épreuve de Bruguière. Aujourd'hui, on est à Villeneuve. Donc voilà, l'épreuve s'est super bien déroulée pour certains, un peu moins pour d'autres. En première manche, on a un Chebou qui fait un départ par 4. Il finit plutôt bien, il finit 11. John, lui, part comme d'hab, on sait comment, il finit, on sait comment, 17. Seconde manche, voilà, le Chebou fait un départ moyen, John fait un meilleur départ, il est devant, il y a 4 pilotes entre les deux, Chebou se sort les doigts, finit par doubler John. Donc le dernier détenteur de la vaseline, c'était notre ami Chebou, il va nous la montrer d'ailleurs. Donc fatalement, qu'est-ce qui se passe? Voilà John, c'était un petit commentaire. Bah écoute, j'étais super content de l'avoir transmis la première fois, mais à fortiori, il a mieux roulé que moi. Le Chebou ayant bien roulé, c'est un bien sorti les doigts. Parce que quand on se sort les doigts avec de la vaseline, forcément, ça se mise, ça coulisse un peu mieux. Quoi, tu vois. Donc prochaine session, ça sera Jimon la semaine prochaine. Et là, mais là. Je vais exprimer ma fluidité de pilotage sans précédent. C'est le truc. Je croyais ta fluidité avec la vaseline. Ouais, ça aussi c'est fluide, mais. Comme je disais tout à l'heure, ça coulisse. Et le truc, je vais la transmettre aussitôt, quoi. Voilà. Bon, Benoît, soulagé? Ah ouais. Ouais? Ouais. Et toi, John, t'as une petite idée du prochain détenteur? C'est de pas te faire mal quand même, Benoît. Mais j'aimerais bien que ça soit le Chebou encore, histoire que je me venge, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà, et sinon, je te la mettrais bien profondément aussi, tu vois. D'accord, mais pour ça, il faudrait quand même que tu sois devant moi. Mais ça a été le cas aujourd'hui, je te le rappelle, tu vois. Oui, mais les conditions étaient très particulières. Attends, ça va, c'est pas les 35 degrés qui vont même plus te faire
Je me suis fait un bobo là, je sais pas si t'as vu mon petit doigt, ouais. J'ai quand même roulé, tu vois. À un moment donné, t'as vu, j'ai rayé mon levier et ça m'a empêché après, tu vois. Ouais. Bon, ben les amis, on vous donne rendez-vous à Gimont. Rendez-vous la semaine prochaine et puis.